T'es amoureuse en fait. Bah, je sais pas, tu me racontes rien. Il est chauffeur de bus. J'ai roulé 10 heures d'affilée. Et puis un jour, quelque chose a changé. On a parlé toute la nuit. Oh là là! J'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est mon amie Salomé. C'est sage-femme. Elle était très douce avec les mères. Ça va être bien de passer ces journées avec des bébés. Toi, t'aimes bien les bébés? On pose beaucoup de questions. Je suis enceinte. Un pauvre enfant, oh là là! Lydia m'a dit un jour qu'elle pensait qu'un tuyau invisible la reliait à son amie. Comme si elle se partageait une seule dose de bonheur pour deux. Si Salomé allait vivre, comme certains l'affirment, le plus beau jour de sa vie, qu'allait-il se passer pour elle? Faut que t'arrêtes de m'envoyer des textos. Je cherche un de plus. J'ai besoin de retracer cette histoire dans son point de vue. Dans l'espoir de reconstituer le vrai visage de Lydia. Salut Mélos. C'est ta fille? Tu te souviens de la nuit qu'on a passée ensemble? Tout commence ici.